Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes en train de visionner la première vidéo de cette chaîne. Je vais vous parler un peu du contenu à venir. Profitons-en pour faire connaissance. Mon pseudo sur Internet est Craft depuis des années. Peut-être m'y avez-vous déjà croisé, ou peut-être pas. Cela n'a pas grande importance. L'été dernier, comme devoir de vacances, je me suis donné la tâche de me construire un petit site internet. Aujourd'hui, je poursuis ce chemin avec le lancement de cette chaîne YouTube. Le ciel, les nuages, le vent, le soleil, les arbres, leur écorce, leur feuillage, les fleurs qu'ils portent et les oiseaux qui s'y abritent, qui y habitent, les insectes, qui y butine. Tout ce petit monde me raconte des histoires d'aussi longtemps que je m'en souvienne. À mon tour, je vais vous raconter des histoires. Des histoires pour vous divertir, des histoires pour vous faire rêver, des histoires pour cheminer ensemble, mais peut-être aussi des histoires pour vous endormir. Je n'ai pas tout planifié et n'ai pas à ce jour fait le tour de ce que je pourrais vous proposer. Mais je pense qu'une grande part des contenus de la chaîne consistera en des histoires que je vais vous raconter. Des poèmes, des contes et légendes, des nouvelles, des récits, des allégories, des mythes, des résultats d'investigation, et le jour où la plateforme me le permettra, des bavardages en direct avec certains d'entre vous. Il était une fois... Once Upon a Time, Once Upon a Craft, voilà le nom de mon site, onceuponacraft.fr. Je vous invite à aller le visiter si le cœur vous en dit. Vous y trouverez quelques histoires que j'avais pris soin de raconter il y a quelques années sur une autre plateforme. Pour le moment, je ne vous ai pas proposé beaucoup de contenu car n'étant pas adossé à une plateforme de diffusion, les possibilités d'hébergement de médias vidéo sont limitées. Mais je m'y suis fait la main. Et puis, il faut dire qu'il est assez confidentiel. Désormais, avec le lancement de ma chaîne YouTube, je vais pouvoir vous en offrir davantage. Nous allons pouvoir échanger, si vous le voulez bien. Outre les histoires que je vais vous raconter, je vais pouvoir vous présenter des tutos. Alors, si vous cherchez des astuces sur le dernier produit à la mode, vous n'êtes pas à la bonne adresse. Je vais vous proposer des tutos qui pourront concerner des activités aussi diverses que de la cuisine, différentes techniques de loisirs créatifs, l'utilisation de soft, de logiciels, des dossiers sur des sujets variés, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient aller plus loin que la seule écoute. Mes tutos de loisirs créatifs ne nécessiteront pas beaucoup de matériel et laisseront la place à la récupération ou réemploi. Mes recettes seront la plupart du temps élaborées avec des produits locaux et de saison, peu transformés, ne nécessitant que peu de matériel et d'ustensiles. Mes tutos d'informatique concerneront l'usage de certains logiciels open source ou d'outils numériques, des trucs et astuces de prise en main, ou de perfectionnement, d'alternatives. Tout cela peut sembler confus et fouillis au premier abord, mais vous retrouverez une constante dans les sujets que je vous proposerai. Ils seront en accord avec ce qui me paraît une nécessité absolue, la simplicité volontaire, la frugalité heureuse, l'économie circulaire, le réemploi, l'économie du partage, la coopération, l'émancipation. Le monde change. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais il va falloir s'adapter. Réinterroger nos modes de fonctionnement, de consommation, notre rapport au travail, au vivant, entrer en résonance les uns avec les autres. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. À très vite. Salut.